En pleine crise, le groupe allemand Volkswagen annonce un vaste plan d'action. Il va rappeler des millions de voitures équipées d'un logiciel fraudeur sur les mesures anti-pollution. En tout, 11 millions de véhicules seraient concernés, selon le constructeur automobile. Convoqué à Bruxelles pour s'expliquer devant la Commission européenne, le directeur de la marque Volkswagen s'est montré plutôt évasif. Nous travaillons sur d'autres solutions avec une attention particulière pour nos clients. Nous allons probablement nous rapprocher d'eux pour une révision du logiciel et peut-être aussi des légères modifications au niveau du moteur. Nous allons aussi faire d'autres suggestions dans les prochains mois. Seat, le constructeur espagnol, filiale du géant allemand depuis les années 80, a reconnu qu'environ 700 000 de ses voitures étaient concernées, sans compter les 2 millions d'Audi et les 1 200 000 Skoda. Les autres enseignes, Porsche, Lamborghini et Bentley, ne seraient pas touchées. À la bourse de Francfort, l'action Volkswagen, qui était devenue cette année le premier constructeur automobile mondial en dépassant le japonais Toyota, a perdu plus de 4%. En 10 jours, elle s'est effondrée de 40%.